tous bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour la préparation de mon soin que j'ai tout simplement appelé masque magique au gel d'aloe vera, donc mon masque deuxième gamme. Falloir en quantité, en bonne quantité d'ailleurs, du gel d'aloe vera. Et bien sûr, c'est fait maison. Il va nous falloir de la poudre de gingembre, de la poudre de cannelle. Voilà, on mélange bien tout ça. Je reviendrai vers vous pour la nouvelle fabrication de mon gel d'aloe vera maison. Je vais ensuite mettre 2 cuillères à soupe de l'huile végétale de ricin à laquelle vous pourrez rajouter le macérat huileux. On mélange bien all of them, on mélange tout. Voilà, c'est prêt. Je vais mettre tout ça dans le flacon applicateur et on va directement passer à la pratique. Je vais bien secouer le tout dans le flacon. Avant d'appliquer mon masque, je vais d'abord vaporiser mes cheveux avec ma lotion aux épinards. Et après avoir divisé ma tête en 4 comme d'habitude pour faciliter la tâche, je vais venir appliquer mon masque 2M GAV, mon masque 2M GAV sur le cuir chevelu, sur les longueurs, pour permettre au produit de facilement pénétrer le cuir chevelu, parce que c'est un masque qui va venir activer la pousse de cheveux. Le gel d'aloe vera qui a un pH de 5 est très intéressant pour le cheveu, pour les cheveux crépus, pour les cheveux secs en particulier. La poudre de gingembre comme la poudre de cannelle stimule la circulation sanguine à l'intérieur du cuir chevelu. Tout ceci va donc aider à la pousse rapide du cheveu. Ce masque est à poser avant le shampoing, voilà, parce qu'il y a des risques de résidus de la poudre de cannelle, mais c'est pas bien grave par rapport à d'autres masques. Voilà, je masque de mèche, je fais pareil sur toute la tête. Alors, je suis désolée pour le retard de cette vidéo. C'est une vidéo qui a été filmée pendant mes vacances fin juillet, voilà. Désolée, j'ai pas pu faire le montage avant, bien entendu, parce qu'il y avait d'autres priorités. On masque, on démêle, on masque, on démêle, on insiste bien sur les parties sensibles, sur les parties qui ont le plus besoin. Bref, ce masque est un soin à faire vu ses innombrables propriétés avec les ingrédients de choix, donc le gingembre, la poudre de cannelle, l'huile de ricin et le gel d'aloe vera qui est hyper riche en propriétés. Ce masque s'applique facilement, vous le remarquerez, vous n'aurez pas de problème pour le démêlage parce qu'il se fait automatiquement et facilement. Pour finir, comme d'habitude, je fais une vanille et je fais pareil sur toute la tête. Je vous conseille donc de répéter ce masque au moins pendant 4 fois dans le mois pour voir des résultats. Sincèrement, les résultats sont probants. Voilà, c'est un masque à appliquer avant le shampoing. C'est pas parce que vous faites un masque avant le shampoing qu'il n'aura pas des effets. Oui, parce que j'entends beaucoup dire sur les groupes, il faut faire le masque après le shampoing, ainsi de suite. Vous pouvez faire votre masque avant le shampoing, le faire après le shampoing, il aura toujours des effets. Ça dépend de ce que vous utilisez comme produit, si c'est facile pour le lavage, pour enlever après ou non. C'est vous qui gérez comment vous appliquez vos soins. L'essentiel, c'est que le produit pénètre la fibre capillaire. C'est pas parce que le cheveu il est pas propre que le produit ne va pas agir. Voilà, il prendra peut-être plus du temps à agir, mais il agira selon la durée de la pose de votre soin. Voilà. Comme vous avez vu, j'ai tout de même refait un massage général après l'application de mon soin. Je vais terminer comme d'habitude en faisant des vanilles. Ensuite, je vais laisser poser mon soin minimum 3 heures. Je vous ai dit, c'est un soin que vous pouvez laisser poser le plus longtemps possible. Alors, comme d'habitude, bien sûr, j'ai fini la totalité de mon soin. C'est la précision dans les mesures. Allez, maintenant, on va mettre tout ça sous chaleur. Donc, le film en plastique, mon bonnet auto-chauffant. On laisse poser tout ça pendant 3 heures et d'un coup de baguette magique, je suis de retour. Voilà, les cheveux ont bien absorbé le produit. Maintenant, je vais faire mon shampoing au savon noir et je vous montre tout de suite le résultat. Ils sont brillants, les boucles sont hyper bien définies, les cheveux ils sont doux. Ce masque multifonction ne fera que du bien à vos cheveux. Voilà pour le partage, je vais poursuivre avec un après-shampoing. Ensuite, je ferai mon rinçage aux plantes et je poursuivrai avec mon hydratation Leave-In Lock Method. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye bye!